Bonjour. Bonsoir à tous, est-ce que vous nous entendez bien? Nous sommes en direct avec Philippe Leroux-Villois pour Groupe Valo. On va attendre quelques minutes, je vais vous expliquer juste le format de ce live, le temps que tout le monde se connecte. Pour ceux qui ont l'habitude et pour les nouveaux, vous avez un chat qui est à votre disposition pour échanger de manière directe. Par contre, pour vos questions, il y a un onglet dédié questions qui nous permettra de mieux gérer en fait le traitement et les réponses des différentes questions. Vous pourrez même liker les questions que vous préférez. On pourra, s'il y en a beaucoup, les sélectionner. Voilà, c'est à peu près tout. Le début de ce live sera consacré à la présentation du groupe Valo. Philippe vous présentera entre 10 et 15 minutes l'activité. Et puis ensuite, pour vous permettre de poser toutes vos questions, un large temps sera consacré du coup à vos différentes questions. Pour certains, je vais peut-être vous demander aussi de monter sur scène pour que ça soit plus interactif. Donc, vous recevrez peut-être une petite notification vous demandant de monter sur scène. C'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé d'accepter, mais en tout cas, si vous le faites, ça sera avec plaisir de vous accueillir sur scène pour que vous puissiez poser les questions. Philippe, si c'est bon pour toi, on attend encore une minute et puis je vois qu'on a quand même pas mal de participants. Tout le monde est bien présent. Ben, je pense même qu'on va pouvoir commencer puisque tout le monde est à l'heure ce soir. Est-ce que c'est bon pour toi, Philippe ? Allez, c'est parti. Eh ben, bonsoir à tous. Merci de votre participation. Donc, je suis Philippe Leroux-Villois. Je suis le PDG du groupe Valo qui est basé à Florange, en Grand Est, en Moselle plus particulièrement. Enfin, en général, Florange, c'est bien connu. Du coup, c'est une entreprise que j'ai repris la présidence début 2015. Et que j'ai repris dans des conditions un peu difficiles puisqu'il s'agissait de faire face à une perte de marché substantielle, environ 60% du chiffre d'affaires. Et on a redéployé l'activité. Donc, initialement, l'entreprise faisait de la propreté et de la sous-traitance pour le groupe Suez sur une chaîne de tri d'emballage ménager. Et on a redéployé en créant des nouvelles filières de gestion de déchets et en dynamisant aussi la sous-traitance. Et puis ensuite, on a créé une filiale d'intérim d'insertion. Donc, on a créé, sur les filières qu'on développe, une filière de collecte de déchets triés. Donc, on accompagne des clients dans l'écologie industrielle pour qu'ils trient leurs déchets à la source. Donc là, c'est plutôt sur des entreprises d'une taille d'entre 20 et 100 salariés. Ensuite, on a créé une filière spécialisée dans la collecte et le conditionnement d'huile alimentaire usagée. Et en même temps, on a créé une filière de déconstruction de fenêtres en fin de vie pour pouvoir les recycler. Et puis ensuite, on a aussi développé une filière sur l'amiante-ciment et également sur la collecte et le conditionnement de polystyrène expansé. Voilà. Du coup, en même temps, donc, on a créé une filiale qui fait de l'intérim d'insertion. Donc Valopress, c'est une entreprise d'insertion. Et on a une filiale d'intérim d'insertion. L'objet de l'intérim d'insertion, c'est de faire de l'intérim, mais consacré à des gens éloignés de l'emploi. Et on fait de l'accompagnement et de la formation pour qu'ils puissent trouver une sortie vers l'emploi à l'issue de leur parcours d'insertion, donc qui dure un maximum de 24 mois, que ce soit en entreprise d'insertion ou en entreprise de travail temporaire d'insertion. Une particularité du groupe, c'est que moi, j'étais consultant auparavant, donc j'ai gardé mon cabinet de consultant et on a formé aussi une association qui fait du développement territorial durable, de l'écologie industrielle et territoriale et aussi de l'innovation sociale pour l'inclusion, c'est-à-dire qui travaille en fait à faire de l'ingénierie territoriale pour des collectivités, mais aussi c'est cette entité Valolab qui nous permet de faire de la recherche et développement. Donc, on a toujours des programmes de R&D qui sont en œuvre et les projets qu'on développe aujourd'hui proviennent de nos propres programmes de R&D qu'on bosse pas tout seul hein, avec des partenaires mais aussi des labos de recherche de l'Université de Lorraine. Voilà, donc aujourd'hui le groupe Valo a survécu à la crise sanitaire, c'était déjà ça. Ça a juste cassé notre croissance, on avait atteint à peu près 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Fin 2019 sur 2020 ben, du coup on va être à 3,7 millions par exemple, donc on a un peu perdu notamment sur l'intérim puisqu'on a beaucoup de clients qui avaient fermé leur boutique. Cependant le redémarrage 2021 est plutôt dynamique. La prévision sur 2021 ce serait environ 6 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'ensemble du groupe
Aujourd'hui, on est 45 salariés. Alors, dans l'insertion, on parle de salariés permanents, donc cadres, agents de maîtrise, employés, ouvriers qualifiés, et puis environ 125 équivalents temps plein, donc équivalents temps plein, de salariés en parcours d'insertion. Voilà, donc en tout, ça doit faire à peu près 160 salariés, hein, si je convertis en nombre de personnes, en insertion, je parle. Donc, à peu près 200 salariés sur l'ensemble du groupe, voilà, avec une belle dynamique sur l'année 2021. Voilà. Donc, on a choisi, en fait, de changer d'échelle, en fait. C'est quelque chose qui correspond à une stratégie, parce qu'on considère que avoir une taille économique suffisante, ça permet de mieux faire le boulot, que ce soit sur la partie business ou sur la partie insertion. Également parce qu'on est sur des métiers qui sont très réglementés, notamment le déchet, et qui nous faut un back-office solide pour être bon, pour bien répondre à nos obligations d'installation classée pour la protection de l'environnement, notamment être capable de faire d'un bon repentique à nos clients sur l'activité de recyclage, etc. Donc, voilà. Et ce qui fait qu'on a mis en œuvre, voilà, ce programme d'investissement et de développement à partir de l'an passé. Et c'est pour ça qu'on est en levée de fonds, là, pour compléter les financements qu'on a obtenus, notamment dans le cadre de France Relance, avec des financements pour soutenir nos investissements. Donc, dans les projets qui sont soutenus par ce programme d'investissement, on a le projet New Flow qui vise en fait à créer une plateforme de gestion de déchets de chantier et de gestion de la logistique chantier et une matériothèque dans le cadre d'une opération d'intérêt national qui se passe juste au sud du Luxembourg et qui vise à construire 8000 logements sur ce territoire-là dans les 20 prochaines années. Donc l'objectif pour nous, c'est d'abattre des impacts environnementaux en mutualisant de la logistique entrante, de la logistique sortante sur les chantiers, mais également d'obtenir des flux de triés de déchets du BTP qui soient au top, donc pour obtenir un taux de recyclage des déchets qui soit bon, et puis également de favoriser le réemploi avec la mise en œuvre d'une matériothèque pour écarter les ressources qui peuvent être réemployées ailleurs. Et puis également, cette plateforme sera ouverte aux entreprises du territoire sous forme de déchetterie professionnelle, là aussi avec des enjeux de tri et de réemploi pour l'ensemble des déchets des professionnels du secteur. C'est un territoire qui se situe au nord de la Meurthe-et-Moselle, près de Longwy, pour ceux qui connaissent, et qui est un territoire qui est intéressant parce que il y a à la fois une grande richesse économique qui est liée au travail transfrontalier avec le Luxembourg, mais une vraie fracture sociale aussi avec un délitement du tissu économique qui est lié à l'abandon de la sidérurgie, notamment, et des mines, mais aussi parce que tout est un peu aspiré par le Luxembourg. Donc, il y a des enjeux très forts, en fait, de remettre à l'emploi des gens qui en sont éloignés. C'est pour ça que ça nous intéresse. Le deuxième projet qu'on a, c'est le projet Triplast. Donc, on a fait de la R&D. Alors, je n'ai pas dit que New Flow, on a fait de la R&D avec deux labos de l'Université de Lorraine, avec l'établissement public d'aménagement de la zone, la collectivité, et c'est un programme soutenu par l'ADEME. Triplast, c'est aussi un projet qu'on a bossé en R&D avec plutôt une régie de déchets de Metz et puis une entreprise comme nous de Vendée qui est spécialiste là-dedans et puis notre bureau d'études pour voir comment on peut collecter du plastique dur de déchetterie, le trier sur chaîne en formant des salariés en insertion à le faire pour obtenir après des flux de déchets qui soit pur à 95% en termes de résine. Donc, il s'agit de trier le PVC menuiserie, le PVC gris, le polypropylène, le polyéthylène, le PEHD, enfin, etc. De manière à ce que ces matières-là puissent être réinscrites dans l'industrie de la plasturgie. Voilà, sur ces filières de déchets, notre stratégie, en fait, c'est de proposer aux collectivités et aux professionnels des solutions sur des filières spécifiques parce qu'on ne veut pas rentrer en concurrence avec les gros du déchet comme Veolia ou Suez.
qui sont déjà nos clients parce qu'on fait de la sous-traitance ou de l'intérim avec eux. Et donc, c'est pour ça qu'on cherche à trouver des solutions de valorisation des déchets innovantes qui permettent de réduire toujours ce qui va vers l'enfouissement. Donc, ça a été le cas sur les fenêtres. C'est le cas aussi sur le plastique de dur de déchetterie. Donc, l'enjeu pour nous, c'est ça. Et on a un environnement qui est porteur sur ces axes-là déchets, économie circulaire, puisqu'il y a la loi AGEC, donc loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire, qui va notamment faire émerger une responsabilité élargie des producteurs sur les déchets du bâtiment. En même temps, donc, on marche toujours sur deux jambes parce que l'économie circulaire, c'est des gros investissements avec des risques de coûts et quelques risques industriels. Et en même temps, donc, on travaille aussi à développer des activités plus de main-d'œuvre, donc qui sont de la sous-traitance, avec, donc, je l'ai dit, on travaille toute l'industrie du déchet, de l'intérim d'insertion et de l'intérim solidaire. Donc là, sur ces axes-là, notamment l'intérim d'insertion et l'intérim solidaire, on déploie en fait un réseau d'agences d'intérim dans tout Grand Est, en fait, enfin quasiment tout Grand Est, sauf l'Alsace, parce que l'Alsace est déjà bien pourvue en outils. Donc on va implanter à Reims, Saint-Avold, on a déjà implanté à Nancy et sans doute aussi à Épinal. L'enjeu pour nous, là, c'est de travailler sur un axe qui est que dans plein d'entreprises, il y a des emplois non pourvus. Et que nous, ce qu'on souhaite faire, c'est sourcer des gens qui sont éloignés de l'emploi, avec même des techniques assez innovantes. On fait des recrutements dans la rue, sur les places de marché, etc. Et les accompagner, les former pour nos clients et les accompagner jusque à l'obtention de CDI. Pour vous donner un exemple, on est en train de bosser avec Engie sur des monteurs électriciens, c'est les gens qui mettent en place de l'éclairage public. Et on a quatre salariés initialement éloignés de l'emploi qui ont suivi une formation à l'AFPA et qui aujourd'hui sont sur chantier chez Engie. Et donc là, ils sont en mission d'intérim avec notre entreprise. Et ensuite, ils vont être embauchés en CDI par Engie. Donc, c'est ce qu'on fait. On avait fait un démonstrateur en 2019 et là, on le généralise à plein d'entreprises. Voilà. Donc, voilà, en gros, sur les projets. Alors, peut-être que j'étais vite. Ah oui, si, j'ai oublié un projet qui est en même temps. C'est celui de Conciergerie Solidaire. Donc, l'État a mis en œuvre un nouveau dispositif d'insertion qui s'appelle Entreprise d'insertion par le travail indépendant, qui vise à accompagner des personnes en situation de fragilité, non plus sur de l'emploi salarié, mais sur des activités de micro-entrepreneurs. Nous, ça nous intéressait de faire ça parce qu'on considère qu'on a des publics qu'on a du mal à toucher, notamment les publics jeunes, qui peuvent très bien ne pas se retrouver dans le cadre du contrat de travail. Et puis, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a beaucoup de micro-entrepreneurs qui sont aussi bénéficiaires de minima sociaux, c'est-à-dire qu'il y a un plafond de verre sur l'atteinte d'un chiffre d'affaires. Donc, on a monté un partenariat avec l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, et qui nous avait interpellés, en fait, sur cette question. Et notre enjeu, nous, c'est que l'activité conciergerie nous permette d'alimenter des micro-entrepreneurs en business et qu'on puisse les accompagner en partenariat avec l'ADI pour leur permettre de monter en compétences et qu'ils puissent atteindre un niveau de vie correct, quoi. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de monter ce dispositif de conciergerie solidaire, sachant qu'en même temps, pour nous, il y a un enjeu aussi de se positionner sur des nouveaux modes de consommation qui seront plus serviciels et on a donc l'intention, en fait, d'essaimer cette conciergerie sur l'ensemble de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle. Et on teste aussi l'implantation de tiers-lieux qui permettrait d'accéder à des ressources et à des services pour des catégories de salariés, d'habitants. Donc, par exemple, on est en train de tester le modèle d'une conciergerie de chantier sur la zone AZ Belval pour que les opérateurs du bâtiment aient accès à beaucoup de services et de l'offre de produits locaux. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de tous les projets. Donc, l'idée, nous, c'est qu'aujourd'hui, comme je le disais, on est sur une route à
6 millions d'euros de chiffre d'affaires. La stratégie qu'on a de changement d'échelle, c'est d'être à 20 millions d'euros en 2025 et de passer environ à 400 emplois d'insertion. C'était très complet et on est pile sur le timing, Philippe. Pas fait exprès. Il n'y a pas un chronomètre derrière ou... Sans faire exprès. Top. Bah, du coup, avant de prendre les questions, parce qu'il y en a, quand même pas mal qui ont été posées, je voulais peut-être rappeler aussi pourquoi l'ITA, on accompagne Groupe Valo sur cette levée de fonds. Alors nous, ce sera sur la partie obligataire. Je tenais à rappeler les raisons pour lesquelles on pense que c'est un bon investissement et qui pourrait, vous donner envie d'aller plus loin. Habituellement, on en a 4 raisons pour investir, mais pour Groupe Valo, on a eu du mal à résumer, donc on en aura 5. La première raison pour investir, c'est, en tout cas pour nous, c'est la forte capacité d'adaptation sur le plan économique du Groupe Valo, en fait, qui a su développer des nouvelles activités après une période de restructuration, comme le disait Philippe, sur 2014 et 2015, qui lui a permis en fait d'atteindre l'équilibre économique en 2018. Donc ça, c'est un élément très très important. La deuxième raison qui est essentielle, c'est le fort impact social et environnemental. Le groupe a fait le choix de l'insertion et de la formation par une activité économique écologique. Donc il y a double impact, activité même du groupe. Ensuite, la troisième raison, on a Philippe devant nous, mais c'est le dirigeant qui est inspirant, charismatique et connecté, qui porte un projet ambitieux de développement. La quatrième, c'est que c'est un groupe qui est connu et reconnu dans la région, lauréat de plusieurs appels à projets. En fait, le groupe Valo bénéficie d'une large communauté de professionnels notamment et d'une visibilité auprès des collectivités territoriales et de l'ADEME aussi. Donc ça, c'est un élément central. Et ensuite, le dernier élément, la dernière raison, c'est un contexte réglementaire favorable avec une hausse continue des coûts d'enfouissement, des taxes générales sur les activités polluantes, une loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Il y a aussi, je ne sais pas si tu confirmeras, Philippe, mais en Chine aussi, ils ont arrêté de prendre les déchets français. Donc ça, c'est un élément aussi important qui souligne et qui vient souligner l'importance de l'activité du groupe Valo. Et donc sur ce tour, on lève 400 000 euros en obligation à 5% avec une prime d'impact qui est indexée sur le suivi ou non par le groupe de 2 indicateurs d'impact qu'on pourra revenir dessus, notamment le nombre d'emplois suite à la levée, d'emplois créés, et aussi le taux de sortie dynamique, mais on pourra revenir peut-être sur cette notion de sortie dynamique après. Il me semble qu'il y a une question dessus. Voilà à peu près en résumé. On va pouvoir prendre les questions. Je vais tenter tout de suite voir si on a de la chance d'inviter Isabelle qui a posé la première question. Et en attendant que Isabelle se connecte, on va pouvoir peut-être prendre la question de Célia. Bonsoir et merci pour la présentation. Le groupe Valo envisage-t-il d'essaimer son modèle sur d'autres territoires ? Alors oui, c'est un projet que je n'ai pas mentionné parce qu'on en a beaucoup des projets, donc du coup... On est en train d'implanter, d'essaimer en fait sur un territoire qui est le Libournais, en Gironde en fait. Alors ça correspond en fait à une aventure humaine. On avait un de nos associés qui voulait s'installer là-bas et il a développé une collecte d'huile alimentaire usagée. Et puis en fait, en y allant, on s'est rendu compte que c'est un territoire qui a une vraie fracture sociale entre Bordeaux et l'arrière-pays, si je peux m'exprimer ainsi, en tout cas sur le Libournais, avec beaucoup de pauvreté, du chômage de longue durée. Donc il y a des vrais besoins sociaux. Et puis, il n'y a pas de structure, en fait, comme nous, qui travaille sur des filières innovantes sur le déchet. Et ce que je voulais peut-être dire aussi, c'est qu'on est une entreprise de réseau. Donc, moi, j'ai cofondé plusieurs réseaux d'entreprises comme nous, d'entreprises d'insertion, d'entreprises adaptées. Et donc, on est j'ai cofondé un réseau qui s'appelle Resilience, qui rassemble à peu près 25 entreprises d'insertion et entreprises adaptées qui sont dans l'économie circulaire, qui nous permet de répondre à des appels d'offres en commun, et puis aussi de partager notre R&D, etc. Et donc, on s'est rendu compte que sur ce territoire de Gironde, il n'y avait pas d'entreprise, il y a un trou dans la raquette, si on veut, par exemple, se positionner. Là, on est en discussion avec des grands comptes sur les fenêtres, par exemple, sur la déconstruction de fenêtres, et qu'il n'y a pas de plateforme là-bas.
n'y a pas d'entreprise comme nous, donc on a décidé de d'essaimer sur le Libournais. Voilà. Ok. C'est très clair. Je crois que Isabelle se prépare, mais n'est toujours pas sur scène, comme on peut le voir. Mais moi, je peux peut-être dire une chose, parce que tu disais pourquoi Lita était intéressée. Je voulais dire pourquoi moi, j'avais voulu faire de l'investissement participatif. Parce qu'en fait, on a une levée de fonds qui est à peu près de 2 millions d'euros. Et donc, on a des investisseurs comme la Banque des Territoires, le fonds Noves, le fonds d'investissement de la Caisse d'épargne Grand Est. Et du coup, on aurait pu très bien boucler la levée de fonds sans faire de l'investissement participatif. Moi, ça m'intéresse vraiment de le faire parce que je trouve que ça a du sens que les citoyens s'emparent d'entreprises à impact. Et que voilà, je pense que ça a une notion aussi d'empowerment, c'est-à-dire prendre un peu le pouvoir pour dire qu'on peut, gentiment, contribuer à changer un peu la société par des boîtes comme nous, où en fait, on ne cherche pas uniquement à gagner des sous, mais aussi à produire des impacts sociaux et environnementaux. C'est pour ça que ça m'intéresse de faire de l'investissement participatif. J'espère qu'il y a d'autres entreprises ou associations qui nous écoutent, coopératives, parce que c'est exactement le discours qu'on tient chez Lita. Du coup, on accueille Isabelle qui a pu se connecter. Bonsoir Isabelle. Voilà, bonsoir à tous. Vous m'entendez bien ? On vous entend très bien. Oui. Très bien. Bonsoir Philippe. Moi, je voulais une précision concernant l'intérim. Pour que je comprenne bien, est-ce que c'est de l'intérim sur des métiers et des filières que vous développez ou est-ce que c'est tous azimuts? Alors en fait, on fait de l'intérim d'insertion. Alors initialement, on a fait pas mal d'intérim d'insertion dans les métiers de l'environnement pour des clients. En fait, la stratégie qu'on a eue, notamment pour rebondir, c'est d'avoir une offre de facility management. Donc, par exemple, on bosse avec Veolia et Veolia, on fait de la sous-traitance pour eux. On leur fait de l'intérim sur une chaîne de tri ou sur des postes de reaper ou de chauffeur poids lourd. Mmh. Et puis aussi, on leur fait de la dératisation, de la désinsectisation, de la propreté. Et donc, c'était notre stratégie, c'est-à-dire d'avoir des grands comptes clients et leur proposer une offre diversifiée. Donc voilà, d'accord. C'est comme ça qu'on a commencé. C'est comme ça que c'est né. Ok, je comprends aujourd'hui, mieux. Okay. Aujourd'hui, la stratégie, c'est d'aller plutôt d'avoir une approche un peu sectorielle, là où on sait qu'il y a un taux de recours à l'intérim qui est élevé déjà, et puis aussi où il y a des emplois non pourvus. Donc nous, on a ciblé toujours l'environnement, mais maintenant, on est presque à maturité parce qu'on travaille avec toutes les entreprises du déchet du coin en fait, mais aussi d'aller sur la logistique, parce que sur la logistique, il y a beaucoup d'emplois non pourvus, et puis il se trouve que dans le Grand Est, il y a besoin de, il y a des forts recrutements en la matière, et puis d'aller aussi sur le bâtiment et travaux publics, voilà, parce que là aussi, il y a beaucoup d'emplois non pourvus. Très bien, merci, c'est très clair. Merci Isabelle, du coup, c'est bon pour la réponse ? Tout à fait. Eh bien, top. Bonne soirée à vous et à bientôt. Bonne soirée. Merci. Prochaine question de Vini. Quel est actuellement le taux de sortie positive des publics en insertion? En combien de temps ces personnes trouvent un emploi a priori durable en moyenne? Alors, nous, on a des objectifs, en fait, des objectifs, voilà, comme souvent. Et en fait, on veut qu'on ait un taux de sortie dynamique de 75%. C'est l'objectif du groupe en termes d'impact social. C'est-à-dire, 3 salariés sur 4 ont une solution à l'issue d'un parcours d'insertion chez nous. La durée de parcours, elle dépend en fait du niveau de formation qu'on met en œuvre. Alors, pour atteindre ces objectifs-là, on a des objectifs de formation qui sont que sur les entreprises de prestation, donc entreprises d'insertion et bientôt entreprises adaptées, puisque Triplace, il est prévu que ce soit plutôt des parcours d'insertion dans l'emploi de personnes en situation de handicap. Donc là, on se dote d'un objectif de consacrer 10% de notre masse salariale à la formation. C'est-à-dire qu'on a en permanence de la formation, on fait du français langue étrangère, de l'accompagnement sur des permis de conduire et des permis de conduire des engins de chantier, des chariots élévateurs, etc., des nacelles, etc. Et puis, des permis poids lourds aussi, super lourds.
Et puis, on fait aussi des formations sur des savoirs de base et de l'accompagnement à la sortie. Donc, pour que les gens puissent se positionner pour transférer leurs compétences correctement. Donc, voilà, l'indicateur d'objectif, c'est 75%. L'indicateur de moyens, c'est la part de la masse salariale qu'on consacre à la formation. Sur l'intérim d'insertion, il n'y a pas de plafond. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, par exemple, sur 2021, le budget qu'on souhaite qu'on va consacrer à la formation, il est de 700 000 euros pour une entreprise d'intérim qui fait en moyenne actuellement 75 équivalents temps plein qui sont au planning. Et là, on travaille en fait avec nos clients. Par exemple, là, j'ai cité l'exemple d'Engie. On bosse aussi, par exemple, avec Soprema pour leur former des étancheurs bardeurs qui vont embaucher à la suite. On a un projet aussi avec Keolis pour former des chauffeurs de bus. Et donc, dans ce cas-là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on offre au client une solution clé en main où on recrute en partenariat avec le client, on analyse les besoins de formation, on monte l'ingénierie pédagogique de formation, l'ingénierie financière, et ensuite, les salariés sont délégués pendant 6 mois dans l'entreprise et l'entreprise peut les embaucher à l'issue de ça. Donc, voilà, c'est l'enjeu, c'est ça. Sur l'intérim, on est plutôt à 80% de taux de sortie dynamique. Ce qui est très bon. La prochaine question, alors effectivement, il y a quand même pas mal d'activités sur le groupe, donc elle concerne un peu des précisions sur les différentes entités. Pouvez-vous reprendre la différence entre Valo TTI et Valo TTS, deux agences d'emploi et d'intérim d'insertion? Alors, Valo TTI, c'est une entreprise de travail temporaire d'insertion qui est conventionnée avec la Direct, entreprise de travail temporaire d'insertion, donc avec ce qui est exigé, en fait, enfin, ce qui est notre politique aussi, c'est l'exclusivité. Donc, on consacre donc l'ensemble des salariés qui sont dans l'intérim d'insertion sont éligibles au parcours d'insertion au sens de l'État. L'ensemble des moyens de l'agence sont consacrés à des personnes en situation de difficulté d'accès à l'emploi. On a créé une filiale d'intérim solidaire. Donc, on fait de l'intérim classique. Sauf qu'on a des statuts qui sont conformes à l'économie sociale et solidaire, sur la gouvernance partagée, sur le partage de la valeur, etc. L'enjeu pour nous, c'est, je vais vous le dire franchement, dans l'intérim d'insertion, par exemple, je forme quelqu'un à un permis poids lourd, super lourd et FIMO. Alors, c'est un parcours de formation qui est extrêmement coûteux en temps, etc. Et ensuite, je veux le placer en emploi chez un client. Et souvent, le client, il va demander à Manpower de porter l'intégration dans l'entreprise. Et moi, ça m'embête d'avoir investi et que ce soit moi qui récupère la marge après. Donc, voilà. Donc, du coup, il y a cet enjeu économique qui est que souvent, les clients, y compris quand le salarié a fini sa période de parcours d'insertion, ils veulent toujours recourir à de l'intérim pour notamment être sûr avant de signer un CDI que tout se passe bien avec le salarié. Donc, nous, notre enjeu, c'est ça. Le deuxième enjeu, c'est qu'on a des travailleurs intérimaires en insertion dont on sait très bien qu'ils ne retrouveront jamais un job sur le marché du travail normal. Enfin, je voudrais... Normal. Donc, du coup... On voudrait les garder pour qu'ils aient des jobs. On a beaucoup de travailleurs qui ont des difficultés cognitives. On a aussi des salariés dans les métiers, on va dire, de manutention ou de logistique qui ont plus de 50 ans ou 55 ans et qui ont des grosses difficultés après de retrouver des emplois derrière. Et nous, on sait qu'on peut les conserver en activité. Et puis, bon, je ne cache pas qu'il y a un enjeu business, hein, c'est... oui, hors business, il y a encore un troisième truc. Quand on fait des gros recrutements, par exemple pour Keolis, c'est 20 salariés qu'on recrute. Quelquefois, ils ne sont pas tous éligibles à l'insertion. Et donc, du coup, on peut avoir des salariés non éligibles à l'insertion qui sont portés par une entreprise qui le fait. Et puis, il y a un enjeu business. On peut avoir des clients avec qui on a des bonnes relations et qui aiment bien comment on travaille et qui ont des profils plus qualifiés, des besoins en profil plus qualifiés, sur des métiers qui ne sont pas forcément accessibles à des gens initialement éloignés de l'emploi.
Du coup, on veut répondre à nos besoins clients. Alors, je pense que là, on a une vision parfaite de ce qu'est l'intérim. La prochaine question qui a eu pas mal de succès, celle de Ariana. Que deviennent les matériaux après avoir été collectés et valorisés ? Qui sont vos clients ? Alors, on a des filières spécifiques. Alors, si je parle des huiles alimentaires usagées, donc on a un partenariat avec une entreprise de l'économie solidaire comme nous, qui est à Lille. Et donc, nous, on collecte dans les restaurants, les hôpitaux, les déchetteries, les collèges, les lycées, etc., dans des petits fûts. Ensuite, on conditionne l'huile, c'est-à-dire qu'on la filtre, de manière à ce qu'elle soit propre. Et après, elle part en grosse cuve et elle est livrée à notre partenaire. Aujourd'hui, la plupart de nos produits vont dans l'industrie du biodiesel. Voilà. Mais on a aussi un programme de R&D qu'on est en train de partager avec GECO, notre partenaire, qui vise aussi à fabriquer des biolubrifiants. Donc, nous, on a une première gamme d'huile de chaîne de tronçonneuse. Et puis, on veut aller aussi sur de l'huile de décoffrage et bosser aussi avec GECO sur du carburant entièrement à base d'huile végétale. Voilà, ça, c'est une filière. Ensuite, sur les déchets qu'on appelle banals, donc plastique, verre, carton, donc on préconise des filières courtes. Ça dépend un peu du volume qu'on a. Donc, le carton, par exemple, il part chez un cartonnier en Alsace. Le verre, il est vendu à une entreprise qui est sur notre zone industrielle qui refabrique des microbilles de verre. Et sur les plus petits lots, alors on prend des négociants. Ça part dans le recyclage. En fait, nous, on est collecteurs. On fait quelquefois un peu de tri. On démantèle et on conditionne le déchet. Et après, il part dans des filières de recyclage. Donc, par exemple, le PVC des fenêtres, il part chez Vécart Cyclage près de Troyes, qui va refaire des granulés de PVC avec. Le verre, comme je l'ai dit, il part chez notre voisin, le groupe Potters, qui fabrique des microbilles de verre avec. Quelle autre grosse filière on a ? Bon, l'amiante, on la met dans des centres de stockage d'amiante. Voilà. Et sur le plastique, alors le plastique, donc on va ça c'est une activité qui va démarrer. Hein, le plastique dur. Donc, nous, on va trier et ensuite, on conditionne le déchet en faisant des grosses balles avec une grosse presse pour optimiser le transport. Et après, donc bah là, il y a plein de gens qui nous demandent du plastique en ce moment parce qu'il y a des tensions sur le marché. Mais on a un collègue en Vendée qui a monté une unité d'affinage de tri et de broyage qui peut permettre d'avoir des paillettes de plastique qui sont entièrement pures et il les revend dans les filières de la plasturgie. Donc, ça a un ami. Nous, on a mis 5 000 euros au capital de son entreprise pour dire qu'on y était. Et comme ça, on bosse ensemble. Voilà. Peut-être avant de passer à la question de Quentin, pour compléter en fait ta réponse, Philippe, il y a la question de Romain. Alors, on a abordé la stratégie du développement du groupe Valo, mais est-ce que l'entreprise prévoit de se diversifier sur d'autres types de déchets ? Tu as parlé de certains déchets. Est-ce que à terme, vous allez continuer à vous diversifier sur ce traitement ? En fait, comment dire ? Bon, là, on a déjà une gamme de déchets qui est assez large, hein, parce que bon. Donc là, on va aller sur le déchet du BTP, là où on n'était pas vraiment, avec la plateforme Newflow. On est déjà sur les déchets industriels, en fait. Voilà. Et puis, on a des filières spécifiques, l'huile alimentaire usagée, etc. Donc, on est déjà assez large. Par contre, ce qu'on va essayer de faire, en fait, c'est d'optimiser, de mutualiser de la logistique. C'est par exemple sur les déchetteries, par exemple. Donc, on a beaucoup de déchetteries, je crois qu'on est sur une centaine de déchetteries en Lorraine. On a commencé à collecter de l'huile alimentaire usagée, ensuite on a fait des fenêtres, on leur propose de faire du polystyrène, de l'amiante ciment, et on va lancer la collecte des plastiques durs. Et donc, du coup, on va essayer d'étoffer cette offre-là, parce que les collectivités sont en recherche d'amélioration de leur taux de valorisation, et nous, ça nous permet de mieux optimiser notre logistique. Là où on a un axe qui est naissant, c'est de remonter un peu la filière du déchet du bâtiment, puisqu'on se positionne sur du curage sélectif et préservant.
C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on puisse être prestataire pour faire les premières étapes de déconstruction des bâtiments et s'occuper derrière des déchets qui sont générés pour qu'ils soient recyclés correctement. Et puis, faire aussi du réemploi sur des produits et matériaux de construction. Du coup, on ira sur tout un tas de déchets, la laine de verre, la laine de roche, le plâtre, etc. Et c'est la logique des recycleurs, en fait. Nous, la question, c'est pas tellement quel déchet, c'est quel gisement et comment on maîtrise le gisement et comment on a les bons outils logistiques et les capacités de traitement. Et après, on construit les filières derrière pour que ça aille vers les bons exutoires. Ok. Du coup, on va repasser à la question de Quentin. Qu'entendez-vous par... alors, je pense que c'est par rapport à ta présentation de tout à l'heure. Qu'entendez-vous par avoir un back-office efficace, apparemment lié aux problématiques spécifiques du domaine des déchets? En fait... Toutes nos activités demandent du back-office. L'intérim, c'est très réglementé. Il faut beaucoup de back-office. Il faut être propre sur les contrats, etc. Le déchet, donc, j'ai dit, on exploite des installations classées pour la protection de l'environnement. Donc, on doit répondre devant l'État de nos stocks de déchets et on doit produire un registre des déchets qui explique qu'on a une traçabilité matière. Tout ce qui rentre sur le site est comptabilisé, tout ce qui sort est comptabilisé pour attester qu'on traite bien le déchet avec des bonnes filières de recyclage. On doit aussi produire des attestations de recyclage, des bordereaux de suivi de déchets. Et puis, on a le reporting aussi auprès de l'État et de nos financeurs d'ailleurs, sur nos performances sociales, le reporting sur tous nos financeurs, etc. Donc, ce qui fait que... on est obligé d'avoir un back-office efficace. Aujourd'hui, l'entreprise, elle n'est pas suffisamment numérisée. Et donc, du coup, on a de la collecte de data sur le terrain qui n'est pas suffisamment précise et pas suffisamment fiable. Et puis, en plus, on a des coûts de collecte de ces chiffres qui sont très élevés puisque on a des reportings qui se font avec des bordereaux à la main. On ressaisit avec des risques d'erreur. Donc, nous, on a un enjeu fort, en fait, de numériser l'ensemble du reporting qu'on doit mettre en œuvre, que ce soit pour nos obligations réglementaires ou également pour la satisfaction de nos clients et de nos investisseurs. Donc, voilà, c'est ça que je pense qu'il faut qu'on réussisse à faire, c'est-à-dire avoir un back-office qui soit numérisé, qui soit capable de produire rapidement, parce qu'il y a aussi une question de délai, rapidement du chiffre fiable et des documents fiables à toutes nos parties prenantes. Bon, je n'ai pas dit aussi qu'on était dans une démarche de labellisation en responsabilité sociétale des entreprises inclusives, donc ce qui demande aussi de collecter du chiffre, et puis aussi sur le contrôle de gestion. Comme on a beaucoup d'activités différentes, il faut qu'on puisse avoir des calculs assez rapides et efficaces sur la rentabilité de tous nos chantiers. Voilà, c'est ça que je cherche à avoir en termes de back-office efficace. Ok. On a une dernière question. Donc pour ceux qui ont encore des questions, posez-les maintenant, parce que sinon, on va arrêter. Donc on a une question de Lionel sur les indicateurs économiques qui vous permettent de piloter la viabilité de l'entreprise. Enfin, quels sont les indicateurs, du coup? Alors, nous, on se base plutôt sur le… Alors, je ne suis pas fluent sur la comptabilité à l'américaine, EBITDA, tout ça. Je m'améliore hein, là, récemment, mais voilà. Nous, ce qu'on doit suivre, en fait, c'est notre excédent brut d'exploitation, corriger, en fait, des aides au poste que l'on perçoit pour notre métier dans le social, pour produire l'accompagnement et la formation de nos salariés en insertion. Et du coup, parce qu'en fait, pour tout un tas de raisons, dans le plan comptable d'entreprise d'insertion, les aides au poste passent en dessous de l'EBE, donc en transfert de charges. Donc, on suit l'EBE plus les aides au poste, parce que aussi, c'est l'indicateur qui est le plus intéressant, parce que comme on perçoit beaucoup de subventions d'investissement,
La ligne amortissement doit être prise en compte, déduction faite des subventions d'investissement qui sont virées au compte de résultat. Voilà. Donc, pour vous répondre, c'est le EBE corrigé qui suit nos performances économiques. Voilà. Et on a aujourd'hui un contrôle de gestion par domaine d'activité stratégique, bon, et qui va jusqu'au résultat net hein, malgré tout, mais c'est plutôt cet indicateur qu'on souhaite suivre. Ok, et je pense qu'on a fait le tour des différentes questions. Pour ceux qui souhaitent encore poser, on va peut-être, je ne sais pas si Philippe, tu as des choses à ajouter par rapport à tout ce qui s'est dit et les différentes questions qu'il y a eu. Moi, je pourrais rappeler aussi un petit peu le calendrier de levée de fonds. Si voilà, si tu as des choses à ajouter, moi de mon côté, je donnerai le calendrier pour les personnes qui souhaiteraient investir. Ok, vas-y, parce que moi je sors de mon truc. Ça marche. Bah, pour vous indiquer, un peu de temps de cerveau disponible. Du coup, a priori, ça devrait passer en collecte. Donc là, actuellement, c'est en pré-collecte, donc vous pouvez réserver votre investissement. Ça devrait pouvoir passer la semaine prochaine. En attendant le passage en collecte, on vous enverra le dossier d'investissement qui vous permettra en fait d'avoir une vision beaucoup plus claire ou encore plus claire suite à ce live meeting. Donc on devrait pouvoir vous l'envoyer d'ici la fin de semaine, début de semaine prochaine. Et puis, quand on vous enverra le dossier, a priori, on sera en mesure de vous donner la date précise du lancement en collecte. Pour information, on a quand même pas mal d'intérêt sur Groupe Valo. On est à peu près à 250 000 euros d'intention d'investissement pour un objectif de 400 000 euros. Donc, c'est un très beau démarrage pour Groupe Valo. Donc, moi, le conseil que je vous donnerais, c'est de ne pas tarder à mettre votre intention d'investissement si ce n'est pas déjà fait, puisque vous serez informé en priorité du passage en collecte et vous aurez le dossier aussi en priorité. Donc voilà, n'hésitez pas à réserver votre investissement à l'issue de ce live meeting. Et bien évidemment, ce live sera disponible en replay et vous sera envoyé d'ici demain ou après-demain. Voilà, c'est bon pour moi. On a un joli message de Isabelle qui dit que c'était très intéressant. Merci beaucoup, Isabelle. Et je crois qu'on avait une dernière question. Ah, on a une dernière question. On en a même deux, des personnes qui veulent absolument. Bon, je pense qu'on a un peu le temps. J'en ai une sur concrètement que vont financer les fonds collectés de Jean-Pierre. Alors, donc, c'est principalement les plateformes déchets. Triplast en fait va reprendre en fait toute l'exploitation déchets, donc qui vise en fait à accueillir les déchets entrants, les stocker, les traiter, donc soit un peu de tri, soit du démantèlement et surtout du conditionnement, et ensuite les stocker en sortie et les faire partir vers les filières. Donc ça, c'est des investissements importants. Et on a donc ça, c'est une plateforme qui est en train de se construire à Florange, juste pas très loin de nos bureaux, à 500 mètres à vol d'oiseau. Et puis, il y a l'autre plateforme de déchets de chantier sur la zone Alzette-Belval, là, près de Longwy, où là, c'est pareil, on va avoir beaucoup d'investissements pour créer en fait une plateforme complète sur un terrain nu avec des installations donc, qui sont à la fois des hauts vents pour des hangars et puis des locaux administratifs et sociaux sur les plateformes. Donc ça, c'est le principal sujet de financement. Après, sur les filiales, en fait, il y a aussi du matériel d'exploitation. Donc, un des enjeux qu'on a, c'est d'industrialiser plus en fait notre manutention. Donc, on achète des Manitou, des pelles pour faire du tri au sol mécanisé. L'enjeu pour nous, c'est de développer la productivité en industrialisant, mais aussi de limiter au maximum la manutention manuelle, parce que elle génère des risques santé, sécurité au travail importants. Et donc, voilà, l'enjeu pour nous, c'est surtout ça. On attend en fait de la construction de ces nouvelles plateformes, à la fois des améliorations sur la rentabilité de ces activités déchets, compte tenu de gains de productivité, mais aussi des réductions sensibles de risques santé et sécurité au travail.
Merci beaucoup, Philippe. Et on va prendre du coup la dernière question. En quoi consiste la prime d'impact et comment est-elle calculée? Je sais qu'on a eu le sujet aujourd'hui. Si tu veux répondre à cette question. Oui, je veux bien. Oui, du coup, ce qui est donc les obligations ont un taux d'intérêt de 5%. Et nous, on s'engage aussi sur des impacts. Et les impacts principaux qu'on a identifiés, c'est les impacts sociaux de création d'emplois et de sortie vers l'emploi. C'est-à-dire, en gros, notre métier d'impact social, c'est d'accompagner des gens initialement éloignés de l'emploi vers l'emploi. Donc là, ce qu'on s'engage à faire, c'est de décupler nos impacts, enfin quintupler d'ailleurs plutôt, donc de les multiplier par 5 en termes de public accueilli dans l'inclusion dans l'emploi et également de sortie vers l'emploi à l'issue du parcours chez nous. Donc du coup, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, Meryl, la prime, là, j'ai oublié. La prime d'impact, c'est ça? Oui, c'est la prime d'impact, exactement. La prime d'impact, c'est une pénalité qu'on s'infligerait si on n'atteint pas la promesse d'impact dont on s'est doté sur nos impacts sociaux. Création d'emplois et sortie vers l'emploi. C'est quelque chose qu'on met en place aussi du côté l'ITA, aussi pour vous garantir ce pourquoi vous êtes chez l'ITA et pourquoi vous investissez dans des projets type groupe Valo. C'est aussi pour cette promesse d'impact et enfin par rapport aux critères qui ont fait qu'on a sélectionné aussi le dossier, qu'il soit bien suivi tout au long de votre investissement et c'est un engagement fort aussi pris par le groupe Valo sur ces critères-là. Ouais, ça correspond à un enjeu pour nous aussi que j'ai pas explicité sur la levée de fonds. C'est que moi je pense qu'une entreprise, elle doit être un système assez ouvert sur son environnement. Et le fait d'avoir des citoyens ou d'autres, en tout cas des investisseurs qui investissent chez nous, ça nous fait une altérité en fait dans le groupe. Et donc, du coup, nous, en tout cas moi, en matière de management et de direction de l'entreprise, ça m'intéresse d'avoir un tiers vers lequel je suis redevable. C'est le terme anglo-saxon accountability. C'est-à-dire on engage le groupe, donc nous, le conseil d'administration, à engager ce changement d'échelle. Et donc, du coup, on en est redevable auprès de tiers qui sont nos investisseurs. Et donc, c'est pour ça que cette prime d'impact, elle renvoie bien à notre redevabilité sur les impacts promis. Merci beaucoup, Philippe. Je pense qu'on a fait le tour. Merci à tous. Donc du coup, pour rappel, le live sera disponible en replay. Et merci d'avoir assisté avec nous à ce live en compagnie de Philippe. Et puis, on vous souhaite à tous une très belle soirée. Bonsoir, Bonne Philippe. Bonne soirée à vous. Merci pour votre participation. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.